Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. L'audience est reprise. We will now continue our hearing on the objections on documents. Nous allons maintenant poursuivre l'audience sur les objections relatives aux documents. Yesterday we heard objections concerning documents that have been already granted and E3 classification. Des objections sur les documents déjà reçus we will et les documents now de type objections E3. Regarding contemporaneous DK documents sur les that documents the trial chamber intends to place before it. According to our direction in memorandum E159, dans le memorandum E159, we will hear objection. Let me repeat, the memorandum is E159. Document E159, memorandum we will de la Chambre. Hear objection on the A1 Nous documents first. Entendre les objections relatives aux documents. The defense has been allocated 2 hours to present its objections. À 2 heures pour présenter ses objections. And it was left to the discretion of the defense. La chambre a laissé to divide its time aux équipes de défense them. Le soin de se répartir ces 2 heures entre elles. If the three defense teams do not share the times amongst themselves, each would have 45 minutes. Ce qui signifie que chacune dispose de 45 minutes à moins de répartitions différentes. If you reallocate the times amongst yourself, please inform si the chamber. Si vous souhaitez faire don d'une partie de votre temps à une autre équipe de défense, veuillez s'il vous plaît en informer la chambre. Otherwise, each would be allocated the 45 minutes time, as I just said. Sauf indication du contraire, chacune des équipes disposera de 45 minutes. Et l'équipe de défense de Nguyen Chia a maintenant la parole. Some group of Tien, le commandant principal pour les parties civiles. Lead co-lawyer, Mr. President. Regarding the A1 Monsieur documents, the sur ces documents A1, lead co-lawyer would give the floor to my other lawyer within the team. Co-avocat Thank you for the national lead co-lawyer for informing the chamber of le président. This decision. Je vous remercie and yes, we agree pour cette précision that et request. Nous sommes d'accord. Once again, Nguyen's team, you Une may proceed. Plus, la parole est à l'équipe de défense de Nguyen Chia. Thank you, Your Honor. Good morning. Maître Yanutsi. I will be handling Je the general objections and a few specific objections. Je vais parler des objections générales et quelques documents contained in Annex 1. I imagine I'll take about 15 minutes sur l'annexe maximum. Je prendrai I'm informed that Major Sonnerun has no remarks, Maître so we have to cede the remaining time to our colleagues pas d'autres remarques, this side nous sommes heureux donc de laisser le reste de temps qui nous est imparti aux autres équipes de défense. Je vais commencer par inclure par renvoi les objections et les remarques que nous avons soulevées hier made in the morning, sur les objections générales ce matin et DC CAM nos by my observations sur We do submit sur DCCAM hier après-midi. Objections, those issues that we nous raised considérons yesterday que les objections que nous avons soulevées hier s'appliquent to the à tous les sujets, in Annex 1, aux déclarations des accusés dans l'annexe 1 et tous les documents I'll be qui seront placés devant la Chambre. En référence au document E109-4.1, il s'agit donc the accused statements de l'annexe 1 des By my count, de l'accusation et des déclarations des accusés. Je compte 19 déclarations attribuées à Nguyen Chia sur un total de 233 documents. Of those 19, there are 3 subcategories. Sur ces 19, there are tout plutôt ces 19 déclarations speeches, se divisent en 3 catégories. 7 interviews discours, accused, including Among the interview group, a letter des entrevues, and y compris two une lettre, OCIJ documents. Et deux
document des co-juges d'instruction. Tout d'abord, j'aimerais parler de l'application plus précise. Mon confrère, Maître Pesman, hier a fait référence à un document, il s'agit du 9e document à l'annexe 1. Cela fait aussi référence tant qu'à l'espion numéro 9 de Hunsen, Kem Noon. Maître Pesman a soulevé une objection par rapport à ce document hier. Nous souhaitons répéter cette exception. Deux des documents à la liste, deux des entrevues, notamment le 15e document, il s'agit de D-366-7.1.664 et le document 16 sur la liste IS-20.33. Are two interviews by unknown persons. The first one by simply an unknown person. La première, the second auteur one inconnu. La seconde, by a Japanese journalist. Un journaliste we submit, japonais. We take the position nous that these two documents in particular fail que ces deux documents to satisfy even the prima facie showing, the prima facie standard that was discussed yesterday. De la norme, so we would specifically object to those documents dont nous avons parlé plus tôt. Nous objectons donc inadmissible. À ce que ces documents soient jugés recevables. Generally, with respect to all of these statements, with respect to the 19 statements, we would submit that to the extent that the Chamber intends to rely on any portion of them, si la Chambre entend that goes to the acts and conduct of the accused or to key issues in the case, des aspects de ces entrevues, those documents, cela touche le comportement des accusés, ces documents dans leur forme originale doivent être put to Nguyen-Chia for his comment. Présenté à Nguyen-Chia pour ses observations et s'il soulève une objection quant à l'authenticité ou quoi que ce soit d'autre sur ces documents, the interviewees nous sommes d'avis que les personnes qui avaient mené ces entretiens doivent être citées à comparaître. That the trial would be brought to a standstill by pour the production of original documents. L'idée comme quoi le procès se verrait retardé par la production de documents d'origine et c'est à comparaître. Il s'agit de 19 documents, ce qui ne ralentira pas trop la procédure, c'est tout à fait réalisable. Je peux comprendre que la plupart des originaux sont disponibles. Nguyen-Chia est avec nous, il témoigne et ces documents doivent lui être présentés. For example, one of those documents, par exemple, un de ces documents, that's number 11 document on the list, prosecution says it does not have a document number, it's a new document, that is a letter to Hunsen from Nguyen-Chia, allegedly a letter to Hunsen from Nguyen-Chia, so for example, allégué, that document should be put to Nguyen-Chia for his confirmation and comment, and if he challenges that document, sa confirmation et ses observations, et s'il objecte, Hunsen devrait être cité à comparaître, si la Chambre entend se fonder sur ce document pour sa considération. Les deux derniers, donc c'est-à-dire les documents 18 et 19 de cette liste, l'un est C8 et l'autre est D20. Sont des documents préparés par le co-juge d'instruction. Il s'agissait de la comparution initiale de Nguyen-Chia, le procès-verbal de cette comparution initiale, et le procès-verbal ou le compte-rendu de son débarquement de victoire sur sa détention. Ce sont des documents, nous acceptons que des déclarations ont été consignées par les co-juges d'instruction. Mais nous souhaitons ajouter que Nguyen-Chia, lorsqu'il a fait ses déclarations, n'était pas représenté par un avocat. Et si je me souviens bien, Maître Sonarun avait été nommé, mais il était à Battambang et il était incapable de participer. Il n'y avait pas d'avocat international à l'époque. Et les juges d'instruction ont quand même pris la déposition de Nguyen-Chia, ont pris de la part de Nguyen-Chia une renonciation qui, comme nous l'avons dit, a été silent. Et a fait sous la contrainte d'exercer son droit à garder le silence. Nous n'avons pas qu'il s'agit d'un document litige et que la Chambre doit invalider cette décision prise par le juge d'instruction, mais vous devez tenir compte de toutes les circonstances entourant ces déclarations. Autrement dit, si vous choisissez d'accorder quelques valeurs probantes à ce qui a été dit lors de ces dépositions, vous devez tenir compte du fait que Nguyen-Chia n'avait pas l'avocat avec lui et que cette renonciation n'était mal informée et avait été faite sous la contrainte. We do take the position that they should be put to Nguyen-Chia. Nous sommes d'avis que tous les documents doivent être présentés à Nguyen-Chia. Pour ce qui est 233,
des documents 20 à 233, ce sont des déclarations des autres accusés. Reassert our general position et nous sommes d'avis, de manière générale, que tant que statements for anything si la Chambre souhaite fonder sa considération sur ces documents, toute déclaration d'un accusé may only do that should those individuals, the makers of those statements, the other co-accused, ne peut être acceptée que si les auteurs de ces documents d'origine soient cités à comparaître pour déposer sur ces documents. That's all I have, c'est in fact. Tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Je laisse le reste du temps qui nous avait été imparti à mes collègues. Merci. Le président, nous remercions l'équipe de défense de Nunchia pour ses observations. In Sarri's defense team, la parole you est à l'équipe de défense de Yang to Sarri. Present your objections. Vous pouvez maintenant présenter vos objections. Good morning again, Mr. President. Maître good morning, Your Honors, and good morning to everyone. Je vous remercie. Bonjour. In around the courtroom. À tous. Much of what I was planning on covering during this period was has already been discussed yesterday and today. My rebuttal remarks. Matin so I'll déjà make it brief. Été I don't see the point in going through every single document. Je ne vois pas l'intérêt. You will recall that back in 5 January 2012, we did file our objections with a comprehensive annex, where we went through a litany of documents presented by the prosecution, and we provided detailed responses. In block form, nous that avons is, fourni des depending on the type of chacun, document, tout dépendant we fashioned du type a de general nous avons response, and when necessary, une réponse we, générale et au besoin, we changed that response or amended it nous to fit the particular document. Notre réponse pour, as I noted yesterday, the prosecution sur le sujet d'un document en particulier. Lumps everything la, comme nous l'avons dit, l'accusation a tout mis dans cette so même catégorie, déclaration. Article, si quelque chose se retrouve dans un article if du journal, c'est présumé être une déclaration. Si c'était un discours présumément prononcé par Yang Sarri, il s'agit d'une déclaration. Pour l'accusation. Our primary objection is first and foremost the prosecution principale needs to be est extremely precise on what it is that they're claiming. Plus précise is it an article? Dans ce qu'elle déclare. S'agit-il d'un article? Is it an actual statement? S'agit-il d'une déclaration réelle ou d'un discours? Quelles étaient les circonstances entourant so for instance, if we were to just look at si, one example, and this would be le document D312.2.8. This is a. They claim this is a statement of Mr. Yang Sarri. Il affirme qu'il s'agit d'une déclaration de Yang Sarri. And when we look at it, it's actually an article. Il s'agit en fait and d'un article de journal. As we have et nous avons dit hier, annex, that unless we have the opportunity to confront the individual qu'à moins que nous soit donné la possibilité d'interroger l'auteur de cet article et our primary position is attribuant des propos à Yang Sarri, such evidence notre should position not be admitted, est que de telles pièces ne devraient pas être that it be subject to very little weight unless independent indicia can si be provided. Devrait avoir peu de poids à moins que les indices soient bien expliqués. Un autre exemple. Here, this is D366/7.1.633. This is, they characterize it as a statement of Yang Sarri in a Washington Post article entitled Ship Seizure Order Denied Ship Seizure by Cambodia. Order denied by Cambodia. C'est le titre d'un article du Washington Post dans lequel il semblerait y avoir des propos tenus par Yang Sarri. Il s'agit d'un article par Elizabeth Becker. The Mayaguez. Sur le Mayaguez. What we don't have is Mr. Inksery's mais actual comments, but rather n'y a pas d'observation he has indicated. Ou de citation de Yang Sarri, mais plutôt and of course, résumé de ce qu'il aurait dit. Ask the question, why is this significant?
Is this pled in the indictment, and if so, how does it connect, Mr. Mansouri? Quel est l'intérêt? But we would submit having an article dans l'ordonnance de clôture by Elizabeth Becker touche in the Washington Post from 8 September 1975 in and of itself to bring it in and to somehow use the content of what Becker alleges Mr. Inksri said as substantive evidence d'utiliser ce que Elizabeth Becker dans cet article affirme avoir été les propos de Yang Sari et de se servir de cela donc comme pièce. Mais il s'agit d'un élément de preuve non fiable et ne peut être reçu. Si Elizabeth Becker témoignait et qu'on lui montrait cet article qu'elle a supposément écrit, elle pourrait en parler si la Chambre juge que le contenu, que l'article et que son, le sujet est pertinent. Si tel est le cas, et dans ce cas-là, on devrait avoir être en mesure de discuter de tout l'incident du Mayaguez, c'est-à-dire le comportement des États-Unis. Plusieurs preuves permettent de croire que les États-Unis ont attaqué délibérément, sachant pertinemment And in fact, a lot of American soldiers' lives were lost in that. But now we're off to a litigation of an incident that may or may not necessarily have anything to do with what is really at stake in this particular tribunal. Cela, so I just point this out, it's just a mere example. Because of our annex, I don't wish to go through every single example, Your Honor. En raison de l'annexe que nous avons déposé, je ne vais pas vous donner chacun des exemples. Nous avons déjà soulevé nos objections. And I think that it's a better use of time for me to simply just show you a sample. And then you can decide how you procéder à un échantillonnage des documents et vous pourrez choisir la façon d'aborder l'étude de ces documents. Laissez-moi vous donner un autre exemple. 366/7.1.363. Et quand on voit, ce document est en fait un extrait d'une version diffusée du discours. Donc il ne s'agit pas de l'intégralité du discours. Supposedly, it is the broadcast itself. We don't know. C'est supposément l'émission elle-même. Sort of testimony should come in. Some sort of proof should be provided by the prosecution. L'accusation, nous sommes d'avis que l'accusation doit fournir une preuve. This particular document is what they purported to be. Certainly, we're not asking for the impossible. De ce document. Let me give another example, Your Honors. Je ne demande pas l'impossible ici. Un autre exemple maintenant. There is the example of D56/20-doc 124. This is purportedly a statement of Inksri interview by Paul Steigen and Elizabeth Eady from the Norwegian Communist Party. This is a we submit that this is not a statement. This is a partial English translation of the book The Assault on Kampuchea by Vietnam The Assault of Democratic Kampuchea by the Vietnam Attack. Now, obviously, we don't think that this has any probative weight at this point in time, particularly because it's outweighed by any prejudicial effect, given that unless the prosecution supplanter cette valeur, can bring the authors in and verify to some degree fasse venir les auteurs pour vérifier dans une certaine mesure
the statement, if a statement was gathered from the nature de cette déclaration de Yingsari, si bel et bien il y a eu déclaration. And for us to cross-examine, to test that particular et pour nous, testimony, de contre-interroger simply ces bringing personnes. In a partial English translation of a book de déposer une traduction en anglais, to attribute traduction the content of it to Mr. Yingsari is insufficient. Pour attribuer des propos à Yingsari est tout simplement insuffisant. Another example, autre exemple, this perhaps may be my last example, Your Honor, because dernier. Again, I think we made comprehensive submissions already, so there's no need, simply because you gave us the 40 minutes each to actually take it. Bien exhaustive, c'est pourquoi je n'aurais pas besoin des 45 minutes. D366/7.1.589. This is titled by the prosecution, statement of Yingsari and Yingtiret, from Peter McGuire, continuing partial transcripts of documents entitled Kampuchea, Death and Rebirth. De documents et de and de, if we look at this particular film, document, Death and Rebirth, Your Honors, one has to ce question document, why it is being quand on le consulte, presented. This is this document postdates the temporal jurisdiction of ce the ECCC. Document est à l'extérieur de la juridiction vacillée temporis des CETC. Il n'a pas de pertinence pour l'affaire en cours. C'est the document notre affirmation. Is unsuitable to prove the facts it purports to prove. Peut. It is an email to DC CAM. Il est insusceptible de prouver ce qu'il entend établir. Where the author provides certain insight which he's entitled to, l'auteur but we submit de ses opinions, auxquelles il a droit, that certes, if this document comes in, mais nous disons, there has to be a showing si why document, the document in and of itself versé au can débat, come il faut expliquer, and for the content of it to be used et pour que son contenu by the serve prosecution in proving something à prouver quoi in que ce the soit, closing order without giving the benefit future, mais sans to the accused permettre à l'accusé to cross-examine the actual author, de contre-interroger especially if l'auteur, the author is indeed is available. N'est pas acceptable, surtout simply si cet auteur est disponible. Admitting an email to Mr. Yuk Chang, le simple fait d'accepter where, un courriel instance, envoyé à Yuk Chang it begins with, qui commence par Dear Yuk, cher Yuk, below are some quotes voici quelques citations de Yingsari et de Yingtiret disant des choses ridicules. Bon, je ne vais pas poursuivre. Cette personne a le droit à ses opinions, mais moi j'ai le droit de mettre en doute ses opinions. Ce que l'accusation ne peut pas faire est de simplement déposer ce document et de le poser directement, de verser directement au débat, defense, sans donner à la défense et à M. Yingsari en particulier la possibilité de contre-interroger l'auteur. Which goes back to my initial point of view that I wanted to make this morning, Your Honors, and this is why I don't want to take up the time to go through every document. To simply say that in a document something might be in it de dire that purports to be somewhat relevant, quelque chose dans le document qui pourrait in the closing prouver order, et qui pourrait être pertinent et qui rejoint quelque chose dans l'ordonnance de clôture n'est pas suffisant pour qu'un document soit jugé recevable. C'est de dire, ne vous souciez pas de l'authenticité ou de la fiabilité, vous pouvez le déterminer quand vous pencherez sur le poids accordé ce document. We submit that before having these sorts of documents nous in, which are mischaracterized as statements, d'accepter de tels documents qui sont mal représentés ou qui should not come qui in unless the prosecution is prepared pas, to demonstrate the reliability of the content therein. Obviously, if you have a copy from the New York Post, si vous avez un exemplaire du New York Post, we're not challenging the fact that this did not appear in the newspaper. Nous ne contestons pas le fait que cela ait été publié dans un journal. Nous n'allons pas dire qu'il faille prouver l'authenticité. On peut très facilement the Washington Post or the New York Times as a copy of the newspaper. That's sufficient. Une copie du New York Times ou du Washington Post, cela suffit. Mais le contenu lui-même. We could say is reliable in the sense that it hasn't been tampered with.
en ce sens où il n'a pas été intégré. So the article is what it purports to be. But does it automatically come in, and do we take this piece of evidence, which we submit as hearsay, and out of court statement offered for the truth of the matter asserted therein, or do we reject it? We submit the better principle is for the prosecution to try to establish how this sort of an article is actually relevant, first of all. Il faut d'abord déterminer pourquoi cet article est pertinent, mais surtout, if the article itself, si cet article, as the Becker article, comme celui d'Elisabeth Becker, contient des citations de Yang Sari, quel était le reste de sa déclaration? Qu'a-t-il dit d'autre? Quelles sont les questions qu'on lui a posées? Quelles étaient ses réponses? Plutôt qu'une simple paraphrase faite par Elisabeth Becker dans son article, qui un éditeur a par la suite lu et a peut-être modifié, car c'est comme cela qu'on fonctionne dans les médias. Bien souvent, on se soucie de l'espace sur la page, et de donc, not to mention, as I've indicated, if the content of the article would lead us into another area of litigation et cet article that's not nous mène à un autre point de litige tribunal, qui n'est peut-être pas pertinent what is the purpose of admitting it? À l'affaire qui nous occupe. Donc, quel est l'intérêt to wrap up, d'accepter honors, un tel article? We urge you to look at our annex. Nous We've vous made demandons our specific de lire l'annexe que nous avons déposée. Nous avons indiqué nos objections spécifiques. These sorts of documents should not come in. Expliquant pourquoi de tels documents ne doivent pas être acceptés. How we believe, or what we believe the test should be, and the process by which you quel est le critère que nous jugeons go through the documents. Acceptable pour and l'examen des we documents. Submit that the better process here is for the prosecution et to actually identify est pour l'accusation who are the witnesses they believe qui sont can lay les témoins certain basic foundations as selon certain types of documents, whether they're établir des telegrams, types whether they're de documents, que ce soit of par meetings, exemple des télégrammes, whether they're des comptes rendus UN de documents, réunions, des documents des Nations Unies. Then perhaps si l'accusation the prosecution dispose d'une telle liste, should invite the trial chamber peut-être to call those individuals demander à la at some point, de as early citer as possible, ces personnes à comparaître or le plus tôt at possible, some point, ou in order to lay the proper un foundation. Autre moment pour pouvoir and I think if that were done, perhaps we would be going j'ai through this exercise. But getting back to Mr. Yuk Cheng, pour en revenir à la question. Since a great deal of the documents based on the prosecution's motion, where they listed what I call the offer of proof on all the 26 categories of different documents, they heavily rely on Mr. Yuk Cheng and the DC CAM. And we submit that it's insufficient to simply say this document came from DC CAM and therefore it has a certain et par conséquent, it is reliable in and of itself. Simply because a document came from an archive, le simple fait qu'un document provient d'une archive document ne signifie pas que ce document est authentique or reliable ou fiable, unless à moins and until you can establish that the archive à moins que l'on does puisse its own screening process, que cette archive and through that screening process son propre made tri a determination et que dans ce tri, that the document was authentic and reliable. Arrivé à la conclusion que le document what était normally authentique happens is fiable. An archive is developed, such as DCCAM, souvent, by simply et collecting. C'est le cas pour DCCAM, une archive est créée par la if simple collecte de documents. Et si DCCAM indeed gone through the process of actually screening the documents, a procédé then, of à un course, tri par une certaine méthodologie, but we submit simply saying, here's a document mais that says UN, le simple and it should automatically come in. We submit that's insufficient. ONU sur un document et qu'il est automatiquement acceptable, ce n'est pas suffisant. To establish l'accusation certain doit other indicia, and where démontrer d'autres we have articles et quand nous sommes confrontés à des articles de journaux ou des documents appelés déclarations de Yang Sari alors qu'il s'agit simplement d'extraits ou des résumés or paraphrasing Mr. Yang Sari, we would submit that if they are to be admitted, Sari, that you do so pour qu'il soit jugé recevable, with the proviso that at some point, unless il faut qu'il soit
produit you have independent indicia that would validate the content of whatever it is that Ms. Inksiri is alleged to have said in those summaries, in that paraphrase, unless you have that independent indicia, a moins d'avoir little or no weight be given to it. Il faut accorder thank you very much, cela, Your Honor. Aucune valeur. Your je Honor, vous I remercie. Have no further, remarks to make on this unless there are any questions from the bench. À moins que vous ayez des questions à me poser. Thank you. Thank you, defense counsel. Je remercie la défense. Kirsten Pons defense now. À présent, l'équipe de défense de Kirsten Pons a l'occasion de présenter ses objections concernant les documents de l'annexe A1. Je vous en prie. Thank you, Mr. Maître Kounsom-On. Merci, Monsieur le Président. Good morning, Your Honor. Good morning, everyone bonjour, in and Madame, around Messieurs the les juges. Je salue toutes les personnes ici présentes dans le prétoire et la galerie du public. I'd like to make my remarks in regards to Annex 1. Mes observations porteront sur l'annexe numéro 1. As is the base for the prosecutor's allegation. Qui énumère les documents sur lesquels se fonde l'accusation. In document pour avancer E158, ces allégations, je vous renvoie au document E158, which indicates the reliability of various other documents. It is only a mere indication of reliability by the prosecution. Il y est question de la fiabilité des documents. Categories du point de vue de l'accusation, on trouve également ici mention des différentes catégories de documents. Which are only the indicia, but nothing else indicating the authenticity or reliability of those documents. Il s'agit de simples indices pour établir l'authenticité ou la fiabilité des documents en question. As there are huge volumes of documents. On sait en effet qu'il existe un très grand nombre de documents. It would be excessive, as claimed by the prosecution. So they relied on this sheer volume of documents that they would not be able to act upon the request for authenticity and reliability of these documents. Et l'accusation apparemment n'est pas en mesure d'établir l'authenticité et la fiabilité de ces documents. So we regard such act of not revealing the details of those documents. Aucune précision n'a été apportée à propos de ces documents par la partie adverse. It is not the onus of the defense team to prove the authenticity or reliability Ce n'est pas of those documents. À la défense de prouver la fiabilité ou l'authenticité de ces documents. Documents ces documents sont en très grand nombre. Then they should review and select Et c'est the documents à l'accusation which are of interest de sélectionner for this trial. Les documents qu'elle juge pertinent. Among 233 documents in Annex 1, l'annexe 1 only less than comporte 70 333 documents, moins de 70 d'entre eux, which have been indicated the indicia of reliability by the prosecution. On fait l'objet d'indications de la part de l'accusation concernant However, les indices de fiabilité, l'interprète se reprend, il s'agit de 233 documents. Cependant, ces indices sont faibles. We can assume that the prosecution
Iran is in 2 points in regards to the authenticity and the reliability of those l'authenticité documents. Et de la fiabilité de ces documents. We also present our suggestions. Nous avons également as the indicia for the reliability of those documents les to be debated before this chamber. Tels qu'ils devront être débattus contradictoirement. I submit that there is a distinction selon moi, as to the weight of the document based on its authenticity as to the reliability il y a of a part document. L'authenticité et d'autre part la fiabilité d'un document. I submit that the selon statement nous, by the prosecution is that we shall consider whether they are related. L'accusation semble dire qu'il faut vérifier si les documents sont pertinents. If in their view they are relevant, de then they should prove the authenticity of those et documents. L'accusation indique qu'une fois qu'il a été établi que ces documents sont pertinents, il faudra en établir l'authenticité. For example, if it is a type of a media exemple. Report or media article, s'il s'agit d'un article then the question de presse, is whether it is la question serait de savoir s'il s'agit du document original qui provient d'une source dûment vérifiée. Rather than autrement dit, du journal en question, a mere clip of the article or a type of such an article. D'une transcription de this l'article. Is in order to prove the authenticity of the document. Ça, c'est la question de l'authenticité. And number two, when we examine the content et deuxièmement, of such newspapers article, examine we la need teneur to de ces consider articles de presse, its reliability. Il faudrait examiner la fiabilité whether they are of interest de ce contenu to ainsi the que substance l'intérêt qu'il présente par rapport code. Aux questions de sometimes l'espèce. It is, of course, seems to be of interest, but it is not a genuine piece of information. Parfois, it might be les informations ont l'air authentiques, les pièces ont l'air so authentiques, mais en réalité, elles ont été montées de toutes pièces. To be examined for cette question doit donc être examinée dans le cas de documents de ce type. Another example, je vais prendre un autre exemple. In document E158 of the dans prosecution, le document E158 déposé par which presents l'accusation, the statements by the accused, and there are 31 documents in total which have been published in the newspapers, including Newsweek, New York Times, and Washington Post. Dans certains journaux comme le New York Times, Newsweek et le Washington Post. The question we need to consider is how those articles il faut se demander were obtained. Comment ces articles ont été obtenus. The prosecution stated that some of the articles were obtained from prétend que certains de ces articles sources, viennent de sources publiques, and others from DCCAM, tandis que d'autres viennent du DCCAM. And the rest were included in the case filed by the co-investigating judges. Et que les autres documents ont été versés au dossier par les co-juges d'instruction. This information is insufficient to indicate ces éléments ne suffisent pas the authenticity or reliability of those documents. Et la fiabilité des documents en question. Furthermore, this information de surcroît is immaterial for these types of documents. Ce type d'information est dénué de toute in pertinence. In particular, the debate of these documents is not the main focus on the articles published in those newspapers. What we need to consider is the ce qu'il importe d'examiner, reliability on c'est the au contraire la fiabilité of those du contenu not on the format. De ces articles. It is also
Likewise, for the interviews of the accused, le même argument est valable during the pour preliminary appearance. Les procès-verbaux d'interrogatoire the des accusés. Explained that those documents, l'accusation were soutient produced que by ces the documents office of ont the été établis par le bureau des co-juges d'instruction, including the thumbprint or signature et of the qu'ils accused ont été signés par l'accusé. In the internal rules. Et que ceux-ci ont apposé leur empreinte digitale et que les CETC ont apposé leur sceau sur ces documents conformément aux prescriptions du règlement intérieur. Of course, we applaud the endeavor by the prosecution in showing us those nous saluons les efforts faits par l'accusation pour attirer notre attention as to its authenticity. Sur ces documents. Du point de However, vue de leur authenticité. This is a rather long, tedious exercise. Mais at this l'examen stage. De toutes ces pièces est un exercice long et laborieux. What we want for this type of documents is that whether the concernant content ces documents, is reliable. Il faut se demander si leur teneur est fiable. It means whether what is said by the accused dit, is reliable, il faut demander, se demander si and les the content of what is written by a journalist fiables. Is reliable. Il faut se demander si les informations rédigées par the prosecution un journaliste sont fiables. To provide any indicia l'accusation n'a as présenté to the reliability beyond a reasonable doubt. Fiabilité de ces pièces permettant d'établir cette fiabilité so literally it means that the examination is not right on the il issue en we wish to discuss. Que les arguments avancés par l'accusation à ce sujet sont hors de propos. So it is very important that there be an actual examination before the chamber so that parties can confront the witnesses. Débattues contradictoirement devant la chambre afin que les différentes parties puissent interroger so that les témoins. Evidence available are admissible or not. De manière à trancher la question de la recevabilité de ces documents. On my final points, I would like to refer to the interview of the accused with other individuals, for example, co-investigating judge. Ou plutôt in document E158, the co-prosecutor describes dans le document broadly E158, this document. However, the prosecutor failed to provide the indicia of relevance and reliability. The prosecutor could only specify as to which organ or office of this tribunal have included this document into the case file, and this document was recognized or admitted in the in case 001. Au dossier, en disant que ces pièces avaient été earlier on this morning, the chamber must have heard. Ce matin, counsel Michael Canovas presenting his position Maître on the document admitted Carnavas to case 001. He said that it was independent from the document admitted in il case 002. It can never be automatically be admitted into case 002. It must be subject to examination 002. By parties concerned d'admission automatique dans because le dossier 002. Ces documents doivent être the position examinés par as les well concernées. As the methodology
of the defense in the two cases en effet, may differ il y a greatly. Une de therefore, et de the document des équipes de défense admitted entre in les case deux 001 was completely donc, independent and separate, and it served the purpose of case 001 separately. When we were dans le cadre de ce dossier-là arguing in case 002, those documents must be subject 2, to re-examination. Les mêmes documents doivent pouvoir être re-examinés du point de vue de leur recevabilité. These documents include the records of interviews or interviews with journalists or historians. Ou plutôt les and certain, records of those interviews were summarized, and they were not parfois even summarized by the interviewers by themselves. Non pas par l'intervieweur the interviewers lui-même. Conducted interview, but the summary was done by mais someone else. So it does not necessarily correspond dit, to the original content or intended message of the interviewee. Qui ont été effectivement tenus par la personne interviewée. For these documents, the issue of reliability ici, can be classified in two de la levels, as I pointed out aspects, earlier, comme je l'ai déjà dit. On the authenticity as well as the reliability la of such documents. Et celle de la fiabilité de ces documents. Therefore, we submit that the Chamber should selon nous, take into consideration each and every document submitted by the prosecution to incriminate the accused. Présenté par l'accusation à charge des accusés. As for the interviews conducted by journalists concernant or les historians, interviews effectuées par des journalistes ou par des historiens, we submit that we reserve our right to remain doubtful of the reliability of the content of these records or the summary of those records are accurate. Et quant à la fidélité and des the résumés words qui ont été or message établis. Expressed in those reports might not reflect il se peut en effet the accurate que le résumé intention of the interviewee. Rendent pas fidèlement it les propos the de la personne interviewée. Of the co-prosecutor c'est à l'accusation to prove qu'il incombe that those records were que les documents en gathered, question properly ont été établis and they selon have to, les normes they have to prove that the record c'est à l'accusation gathered by the Office of Co-Investigating Judges was properly que les documents établis par les coaches d'instruction ont été competent organs of this tribunal. Par les organes compétents des CETC. And we have to be sure that those records were prepared que ces documents contemporaneously when the interview was conducted or it was actually summarized days after the interview. And we have to question whether or not those records was based on a person's interpretation or it was based verbatim on si the words of the interviewee. D'une transcription verbatim, and ou bien si l'on if this is the case, what can be a verifiable means to ensure that the interpretation of the person responsible for recording the interview corresponds or reflects the words of the interviewee? Qui a été faite des propos tenus par la personne chargée these de la are the legitimate questions that we wish voici to donc les questions hear. That's why we would like to confront and examine each and every piece of evidence submitted nous pensons in this que chaque pièce présentée doit pouvoir être débattue contradictoirement. Unless until we can do that, we can be sure that those evidence can be the basis for faute the decision. There are various questions that the chamber should put on those evidence so that evidence can be given probative values. Il faut que cela soit fait pour pouvoir déterminer la valeur probante à so accorder we, à chaque document. Submit that we object
to any presumption of reliability of documents, and we also object to any admission or acceptance of documents. À ce que soient admis les documents without having the opportunity to examine those pieces of evidence. L'occasion d'en débattre contradictoirement. And I would like to give an example et je vais vous donner un exemple. The chamber to be extra careful on your consideration on the articles published in newspapers. La chambre à être très prudente lorsqu'il s'agit d'articles de presse. For example, document je prends l'exemple E du document 165 in annex 1 E165 with the code D313/1 D313/2.2 ou plutôt point 2 point 310 point 310 this particular document ce document concerns the statement made by Mr. Khieu Samphan. This document entitled Interview by Paula right interview recueillie par Paula Brianti interviewed on execution national problems in English language. Executions national problems. According to the prosecution, they submit that Mr. Khieu Samphan may have been interviewed in the article which I mentioned earlier on the 22nd of October 1976. Le 22 It was in October 1976, but this document was published on the 26th of September 1976. So it means that the submission of the prosecutor that Mr. Khieu Samphan was interviewed, it seems that this newspaper was published even earlier than Mr. Khieu Samphan interview. That was impossible. Puisque la supposée interview a paru in addition, the venue for the interview in that particular article of that newspaper indicates that this interview was conducted in Colombo City. Dans la ville de but Colombo. According to a letter of Mr. François Ponceau, d'après une lettre rédigée par Monsieur François Ponceau, F-O-A-N-C-O-I-S, Ponceau, P-O-N-C-H-A-O-D. Sent to Mr. Lettre Noam Chomsky, adressé à Noam Chomsky, K-Y. Mr. François Ponceau sent a letter to Mr. Noam Chomsky dated the 17th of August 1977. In that letter, he indicated that. Et dans cette lettre donc, François Ponceau, I did not mention family Christina in September in 1976 because I am well aware of the precise source that the Italian journalist had never interviewed Christina, Mr. Khieu Samphan. Sachant que cette journaliste italienne n'a jamais interviewé que Samphan. Nhưng mà chỉ mới nhận cả sách bà rằng. She came along with a French journalist. Elle était accompagnée d'un journaliste français. She did not stay a step away from the French journalist. Et elle est restée so we found a contradiction here.
Il y a donc ici une contradiction. The submission that there was a journalist interviewing Mr. Kyusampon back then, actually there was no journalist interviewing him at all. So if we rely entirely on that newspaper that Mr. Sampon was saying this and that, that would not be conducive to ascertaining the truth before this chamber. Therefore, it is imperative that there is examination and confrontation on the reliability of such documents. D'examiner de façon contradictoire la fiabilité de ce document avec le cas échéant Mr. une confrontation. William Shawcross indicated that William there was no journalist present in the conference in Colombo who was Colombo. Allowed to meet with Mr. Kyusampon. Il a indiqué qu'aucun journaliste n'avait pu rencontrer Monsieur Kyusampon. So this was the assertion by the two well-known journalists who were present at that conference. Voilà ce qui ressort. So at that time, the journalists qui étaient was not bien able to connus, qui étaient conduct the interview. So it was a false report. Aucune interview n'a été réalisée. Il s'agit donc d'informations montées de toutes pièces. Because what was written in that report was not accurate. As for Mr. Noam Chomsky, he assessed the document, that article, to this effect. I would like to read in English. Probably it was fabricated. Il a probablement été monté de toutes pièces. Fin de citation. I would like to spell familier Christina. L'orateur épelle les F noms A cités. M I J L I A. Christina Famiglia. C O A N A. C O I N A. This is a clear example that the chamber shall consider the documents submitted by the prosecution one by one. D'examiner au cas par cas les différents documents présentés par l'accusation. Finally, due to in the interest of time. Since the prosecution have not provided the clear indicia of reliability of those documents, we have not been able to object to each and every document presented in the annexes of the prosecutors in this week's hearing. But due to the aforementioned reasons, I would like to repeat once again that the assessment of the admissibility of the evidence shall be subject to examination. And it shall be done before se faire the dans chamber. Le cadre d'un débat contradictoire devant la chambre. Thank you very much, Your Merci Honor. Merci beaucoup, Madame, Messieurs les juges. Thank you, Counsel. Le Président, je vous remercie, Maître. It is now time to adjourn le moment for lunch. Est venu so the chamber de suspendre will adjourn. L'audience. From now until 1:30. L'audience so we will resume at 1:30 to continue the proceedings. The security guard instructed to bring Mr. Kyusampon to the holding cell downstairs and bring him back to this courtroom before 1:30. Thank you. Merci.